details about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Now, I couldn't see where you coming from, but I knew just what you running from. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprv.centerblog.net, émission Review Comics dédiée à un comic book lié de près ou de loin au Hellboy et au Mignola Verse. Donc dans le cas présent, vous l'avez vu dans l'intro, le deuxième numéro sur 5, on est bientôt à mi-parcours mais pas encore, donc ça n'a servi à rien que je vous dise ça, mais j'ai quand même dit, ça me fait plaisir. Donc, Lobster Johnson, The Burning End, donc bah voici, voilà, le comic book, en papier et en encre. Petit tour du propriétaire, avant de commencer les choses. Donc, scénarisé par Mike Mignola et John Arcudi, colorisé par Dave Johnson, colorisé par Dave Stewart, et dessiné, le mec qui est responsable de toutes les petites cases qu'il y a à l'intérieur. Alors attention, parce que récemment, j'ai appris, ou plutôt on a tenté de m'apprendre, à prononcer son nom sans l'écorcher. Gros big up à Aleander s'il passe par là. Aleander, ce big up est pour toi. Donc ça se prononce, j'espère faire honneur, attention, Taunchi Zonjich. Hey, donc même si ça se lit Tonki Zonjich, bah non, ça se prononce Taunchi Zonjich. Voilà, la classe ou pas la classe? La classe. Donc, on va maintenant s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro, ma foi, ça serait sympa. Donc si on devait, voilà, si on devait rendre un papier là-dessus, si on devait résumer en une phrase ou deux, peut-être un petit peu plus, vous savez que je suis bavard, ce numéro, on pourrait dire pour commencer, ce numéro est à l'image de sa couverture. Oh, mais plus encore, et bien plus encore, on pourrait résumer encore plus la chose, en disant que, n'oublions pas, que Lobster Johnson The Burning End prend place avant Lobster Johnson The Iron Prometheus. Première mini-série dédiée aux aventures solo de Lobster Johnson. Ok, donc The Burning End, deuxième point à avoir à garder en mémoire, se passe avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, en pleine prohibition, et que donc ça se déroule avant le Hellboyverse. Si on pourrait, même si ça fait partie du Hellboyverse, ça se passe avant, si on devait résumer les choses de manière schématique. Donc, en fait, ce deuxième numéro a le cul entre deux chaises, si je puis me permettre cette expression, si vous pouvez me le pardonner. C'est-à-dire qu'en fait, donc dans le premier numéro de Lobster Johnson, The Burning End, on voyait Lobster Johnson aux prises avec la pègre, avec la mafia, la prohibition et patati et patata. Donc on restait vraiment dans un contexte purement, on va dire, réaliste. Ok, réaliste et vraiment film de gangster des années 30. Ok, deuxième numéro, les choses commencent à se compliquer pour Lobster Johnson. Là, j'ai vachement fourché là-dessus. Puisque commence à apparaître tout ce qui est inhérent et tout ce qui a attrait au Mignola Verse, c'est-à-dire la magie, on va schématiser les choses comme ça, le paranormal, le fantastique. Voilà, ça commence à apparaître et que donc oui, c'est à l'image de cette couverture, puisque la cover du premier numéro de Lobster Johnson était assez noire, on va dire comme ça, très noire, noire sans ce policier Pulps. Et ce deuxième, on a Lobster Johnson, on a donc le Vigilante dans son rôle de Vigilante, c'est-à-dire défendre la veuve et l'orphelin, et en face, on a un bonhomme grimé en gangster, comme tous les gangsters que l'on voit depuis le début de cette mini-série, c'est-à-dire en espèce d'impair manteau avec un chapeau sur la tête, mais voilà, ce gangster ressemble beaucoup, l'image, la composition de la planche, ressemble beaucoup, ou plutôt fait beaucoup penser à un des plus célèbres plans de l'histoire du cinéma, avec un grand H et un grand C. Je l'en avais même parlé sur le blog lorsque la couverture avait été balancée. Le fameux plan de Nosferatu de Murnau, du Nosferatu de Murnau, devrais-je dire, où l'on voit Nosferatu monter un escalier pour tenter de grignoter sa prochaine proie. Thank you.
Et donc du coup, voilà, cette couverture nous plonge clairement. Donc, on a Vigilant, en face, on a un gangster, en même temps, ce gangster montre des signes avec ces espèces de grandes griffes. Ça nous ramène simplement à notre culture pop, on va dire, à nous, à notre propre imaginaire. Ça nous ramène au vampire, ça nous ramène à la créature surnaturelle fantastique. Et donc du coup, on sait plus trop sur quel pied danser. Pourquoi ? Parce que ce numéro a le cul entre les deux chaises. Hey, vous avez vu la tournure de la phrase ? Attention, hein, 100% improvisé, hein, je tiens à rappeler. Bon, bref, allez, on va parler donc plus en détail de ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro. Mais ma foi, ça continue bien. Et le principal attrait, on va dire, le truc qui nous reste vraiment à la fin de ce numéro, c'est que aussi bien Lobster Johnson que le méchant de cette mini-série commencent à montrer tous les deux des signes de c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas humain, ça montre des signes de c'est pas humain quoi, c'est diabolique, on sait pas trop ce que c'est. Et vraiment, on est perdu là-dedans, comme si en fait l'époque en elle-même, le genre en lui-même était en train de se perdre dans le fantastique. Puisque clairement, en fait, dès le début, le début est un petit peu chiant par rapport à ce que je venais de dire il y a deux secondes, où on voit tout simplement, en fait, donc Lobster Johnson, rappelez-vous la fin du premier numéro, où il a tué les deux vilains gorilles qui allaient tenter de tuer notre pauvre et jeune et joli reporter. Donc, il la sauve, il l'emmène dans son super repère. D'ailleurs, j'en avais fait un super article, mais j'en parlerai après. Juste après, tac, on déboule sur notre parrain de la mafia locale. Jusqu'à maintenant, il était montré comme le grand méchant de l'histoire, mais bien sûr, on apprend très très vite que c'est pas lui le grand méchant de l'histoire, parce que lui a rien de surnaturel ou fantastique. Au contraire, il est bien trop calme, il est bien trop physique et réaliste pour nous intéresser dans cette histoire. Donc, lui, toujours en contact avec un type dont je vais faire une petite parenthèse, j'avais oublié de le parler, ou plutôt non, si, j'en avais parlé, mais j'avais coupé ce passage-là au montage, parce que la vidéo était déjà assez longue comme ça, je me suis dit, tiens, je vais en parler plus tard. Le type qui n'arrête pas de proposer à notre parrain de la mafia de rencontrer des gars avec des pouvoirs magiques, parce que selon lui, Lobster Johnson est magique, et que c'est pas avec des armes à feu qu'on va s'en débarrasser. Et jusqu'à maintenant, le type de la pègre disait, il est hors de question qu'on mette de la magie à ça, c'est des trucs de grand-mère, ce mec, on va lui coller une balle, il va mourir. Et bah regardez bien ce type, moi depuis le début, en fait, ce type me faisait penser à quelqu'un, et j'ai très très vite compris pourquoi. Il me fait penser, alors, si vous avez une culture cinématographique, un minimum de culture cinématographique, à Peter Lorre, je sais pas si je le prononce mal ou bien, Peter Lorre, L-O-R-R-E. That's wonderful, Johnny. We have been chased all over the world. They stay right here in Brooklyn and they do just as good as you do. What? Yeah. You got 12, they got 12. I've got 13. No, Johnny, 12. Don't brag. 13. There's Mr. Spinalzo. And the first one in London, two in Johannesburg, one in Sydney, one in Melbourne, two in San Francisco, one in Phoenix, Arizona. Phoenix? The filling station. Fillings? Oh, yes. Three in Chicago and one in South Bend. That makes 13. You cannot count the one in South Bend. He died of pneumonia. He wouldn't have died of pneumonia if I hadn't shot him. No, no, Johnny, you cannot count him. You got 12, they got 12. Volontaire ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une trop grande ressemblance entre ce personnage et Peter Lorre, mais moi, personnellement, je pense que c'est volontaire, parce que, comme vous avez pu le voir, c'est trop flagrant, ou devrais-je dire frappant. Donc, voilà, alors, il retourne, notre bonhomme Peter Lorre retourne voir le parrain de la mafia, il lui fait, bon, voilà, les deux gorilles que vous avez envoyés pour tuer la reporter sont morts, comme ceux du précédent numéro, et ont eu une marque de pince du homard sur le front, donc il serait peut-être temps de faire appel au bonhomme dont j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Et lui, il dit, non. On revient sur nos deux bonhommes, on sait pas encore qui c'est, qui sont dans un hôtel et qui donc disent à notre Peter Lorre local, pas de panique, laisse ton parrain de la pègre mariner dans son coin, dans pas très très longtemps, je pense qu'il va venir faire appel à nous. À ce moment-là, on revient dans la Lobster Cave, voilà, c'est là où je voulais en venir. Regardez d'ailleurs la magnifique pub pour, hop, BPRD Lobster, The Pickens County Horror, ça va être très très bien, dessiné par Jason Latour, bref, allez sur le blog, vous avez toutes les infos. Là-dessus, on revient dans la Lobster Johnson Cave. J'en avais donc voilà longuement parlé sur le blog. J'avais même fait un bête de schéma et patati patata. Donc voilà, la Batcave version Lobster Johnson, c'est super cool avec son avion, son blindé et ses mecs qui jouent aux cartes. Donc là, notre pseudo-reporter a une petite conversation avec Lobster Johnson en lui disant « Bon, c'est bien beau de m'avoir sauvé, j'aimerais rentrer chez moi. » Lobster Johnson lui fait « Non, il est hors de question que vous rentriez chez vous. Vous allez rester avec nous. » Il fait « Ouais, mais c'est pas moi le méchant. » »« Oui, je sais bien, mais si je savais où était le méchant, bah, je serais parti le voir depuis bien longtemps. » Et là, le reporter a des tuyaux que Lobster Johnson n'a pas. Il lui dit « Bah moi, je sais où il est, donc je peux vous donner l'adresse, comme ça vous pourrez aller
le voir, le dessouder et me libérer parce que j'ai autre chose à faire. Donc il accepte le deal, il fait ok, je vais aller le voir. Et donc là il y va dans une espèce de hammam sauna. Donc là, on va dire scène classique des films de gangsters, un petit peu genre, comment il s'appelait ce film de David Cronenberg, Paris Story of Violence, celui d'après, Les Promesses de l'Ombre, une scène qui rappelle beaucoup le dernier, donc avant-dernier Cronenberg, pardon, Les Promesses de l'Ombre, où Lobster Johnson va rendre visite en mode Splinter Cell en coupant le courant à nos amis gangsters. Mais à ce moment-là, un truc bizarre survient, puisqu'il se prend plusieurs balles dans le buffet, mais les balles ne l'arrêtent pas, et en plus de ça, le mec apparaît et disparaît, comme dans un film d'horreur. À ce moment-là, c'est monté un petit peu comme un film d'horreur, une sorte de Halloween, où en fait, on voit carrément la victime se balader, et où on voit le boogeyman apparaître et disparaître comme par magie. Donc à ce moment-là, on induit de manière, on va dire, subtile, le fait que si le futur méchant à venir de cette mini-série a des pouvoirs, entre guillemets, pourquoi pas Lobster Johnson. On sait qu'il a des pouvoirs après coup lorsqu'il meurt et qu'il devient un fantôme, mais de son vivant, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu vent qu'il avait des pouvoirs. Donc c'est, on verra plus tard ce que ça va donner, mais en tout cas, ça l'est pas dit de manière concrète, même si après coup, notre parrain de la mafia va complètement flipper, puisqu'il va réussir à se barrer de ce hammam sans que Lobster Johnson ne réussisse à le tuer. Regardez, hop, regardez le découpage comme c'est très bien fait, regardez les couleurs, le dessin. Tonchi Zounich, je te kiffe, j'adore ce que fait ce mec. Donc il réussit à se tirer, à ce moment-là, il a une trouille, il a les miquettes, le mec, hein. Il a les miquettes qui lui a tiré, il a tiré sur Lobster Johnson pardon, plusieurs fois de suite, sans qu'il meure, il apparaît et disparaît, donc là il a vraiment les miquettes. Il va donc du coup voir Peter Lorre, ou en tout cas son équivalent dans la BD, et lui dire, ok, j'accepte le deal, pardon. Va voir tes potes, amène-les et que je voie avec eux concrètement ce qu'ils peuvent faire pour me débarrasser de ce fantôme. Parce qu'à ce moment-là, Sir Johnson, c'est carrément devenu une sorte de fantôme vengeur. Donc, les deux bonhommes arrivent à ce moment-là, suspense. Va-t-on enfin apprendre l'identité du gars avec son chapeau et son écharpe? Eh bien, ma foi, oui, on va l'apprendre, puisque donc une sorte de conversation s'installe entre nos protagonistes, où au début... notre parrain local fait à Peter Lorre, au Peter Lorre local, non ça sert à rien, j'ai vu tes deux bons hommes, une nénette et un gars avec un chapeau, à mon avis c'est pas avec des cours de magie, de voodoo, du spiritisme qui vont se débarrasser de ce type, parce que je l'ai vu à l'œuvre et ce mec n'est pas humain. Et à ce moment-là, c'est très très bien fait, la nénette qui est juste là dit au bonhomme qui reste debout, elle s'assoit. Elle fait mes voyances, en plus il a un prénom et un nom de famille, cet enfoiré. Raymond Distel. Elle lui fait, mais Raymond, mon cher, as-tu oublié tes bonnes manières? Ne sais-tu pas qu'il faut retirer son chapeau lorsque l'on rentre dans une pièce? À ce moment-là, il retire son chapeau et dernière planche, dernière page, The Black Flame. Là, vous voyez pas trop. Attendez, je vais recommencer parce que c'est un petit peu foireux. The Black Flame, les mecs! The Black Flame, ou en tout cas, un ancêtre à lui, ou c'est lui, on sait pas trop à ce moment-là. Mais la flamme noire est, on ne peut même pas dire de retour. De retour, oui, dans les planches du Hellboyverse. Mais cette flamme noire apparaît bien avant la flamme noire de Zinco de la flamme noire. Et bah c'est juste énorme, c'est juste énormissime. La flamme noire est de retour dans sa version 1,30, guimbardine, gangster, prohibition, Colt 45, mitraillette Thompson et Lobster Johnson. Donc on pense que dans pas très longtemps ça va fighter sévère. Ça va être un truc de bonhomme, à testostérone, à fond les ballons les mecs, ça va être chambé. Donc voilà ce qu'il en est pour ce deuxième numéro, ce que j'avais à dire là-dessus. Bah, je pense que je vais m'arrêter là, je sais même pas combien dure cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Dans le doute, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Donc bah merci d'avoir regardé cette émission. Si vous l'avez regardé, sinon je vous remercie pas. Et voilà, c'est bien fait pour vous. Et à la prochaine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À la prochaine, prenez soin de vous, faites pas les fous. Et à la prochaine émission. Ciao tout le monde, salut, ciao ciao. I got to operate on you right away. We got to find some place. We got to find some place for Mr. Spinazzo, too. Don't waste any worry on that rat. But we got a hot stiff on our hands. Forget Mr. Spinazzo. But, Johnny, we can't leave a dead body in the rumble seat. You shouldn't have killed him just because he knows something about us. What happens? That's...